Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wolfenstein The New Colossus 2. Oula, c'est quoi ça? Le gros méca. Donc aujourd'hui, je faisais des émissions quand j'étais plus jeune. On doit discuter. Je tourne surtout dans des films. On est là pour un film apparemment. J'ai déjà pensé à faire du cinéma, mais je peux pas me passer du théâtre. Je suis même pas certain de vouloir ce rôle. J'ai besoin de monter sur une scène devant un public pour avoir l'impression de vraiment jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Incroyable. D'accord. J'anéantirai aussi ces traces de chien. Allez, Junia, tu peux faire mieux que ça. Alors, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Telle est la question. Mais quel gros naze! On inspecte un peu des petits documents qui se trouvent sur le bureau au passage. Même si concrètement je m'en fous un peu des objectifs. Je suis pas là pour ça. Oh, oh, c'est des piranhas ça. Ah, ça ressemble à des piranhas. Ne me déconcentrez pas, je vous prie. Excellent. Ça ne dit pas ce que je dois faire concrètement. Je suis relativement bloqué. Unique New York. Ah. Vénus Anus. Unique. Il y a un trésor ici, ok. Ok, c'est des trésors qu'on peut trouver. Bon, ça je m'en fous aussi. Je suis pas là pour faire ces trucs-là. Je suis vraiment là pour finir la campagne, pour m'amuser, me détendre. Je suis pas là pour chercher les petits items cachés à droite, à gauche. Alors, on a une chaise. On va aller voir les documents qu'il y a dessus. C'est des vrais. Apparemment, c'est notre script. Comment je vais faire pour me rappeler de ça? Il faut que je l'écrive. Alors, mais ils arrivent trop tard. La bombe explose dans le réfectoire. La fin du bal absolu de H, traduction française. Mais il arrive trop tard. La bombe explose dans le réfectoire, tuant tous les enfants à l'intérieur. Alors, extérieur, court jour. La caméra zoom au blondie qui qui s'arrête devant l'orphelinat. La chienne baisse la tête et se met à gémir. Elle réalise qu'il est trop tard et de nombreuses vies allemandes innocentes viennent de s'éteindre. Intérieur finit à jour, la caméra montre le chaos et la mort qui règnent dans la salle de classe. En vue panoramique, zoom sur la silhouette sombre de William Blazkowicz, le tueur d'enfants, qui contemple dizaines de petits cadavres éparpillés à ses pieds. Le soleil se faufile entre les lames des stores, le rombre formant des barreaux figuratifs emprisonnant le cruel antagoniste. Eva, la maîtresse d'école, lève les yeux du corps sans vie de la fillette de 8 ans qu'elle tient dans ses bras. Elle est en larmes. Eva, avec beaucoup d'émotion, en pleure. Un terroriste insensible, c'est tout ce que vous êtes, Blazkowicz. Et vous, vous êtes une pute nazie. Blazkowicz, je vais vous violer et vous tuer. D'accord, ok. Vous avez tué tant d'enfants innocents, mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Ok. Viens en tirer votre race de chien. D'accord, ok. Alors, écrire les répliques. À vos places, vite, vite. Hélène, comme ça. Gesehen, Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht.
Gott! Und besser konnten wir nicht finden! Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich! Ja, das kriegen Gott wir. Noch mal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh oui, mein Führer. Et mes enfants l'ont lu aussi. J'ai adoré, Monsieur Hitler. Super bouquin. Monsieur Hitler? Toi, tu vas te prendre une balle. Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Je vous demande pardon, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Non, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein Juden! Ein verräterischer Jude! Ein Juden! Non, je suis originaire de l'Arizona. Oh bah le truc qu'il fallait pas dire. T'es un américain, quoi. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wie sérieux? Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh, Josef. Platzkowitsch. Oh. 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 Ah. Helene. Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Oh. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Quel connard. Helene, zusammen mit ihm. Un terroriste dépourvu d'humanité, c'est tout ce que vous êtes. Merde, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Vous êtes une pute nazie. Et vous êtes une pute nazie. Espèce de monstre, qu'est-ce que vous allez me faire? Je crois que je vais te baiser et je sais plus quoi, je vais vous faire... Je vais vous violer, vous tuer, c'est ça, ouais. Je vais vous violer et vous tuer. Vous avez détruit la vie de tant d'innocents. Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Merde. J'anéantirai votre race de chien, je crois. Et j'anéantirai votre race de chien. Die Worte waren richtig, ja. Aber Sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Josef Platzkowitsch. Ah non, je l'ai pas saisi, c'est moi. Sie sein, was Sie nicht verstehen.
Sie. Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie, füllen Sie, füllen Sie die Rolle. Un terroriste insensible. C'est tout ce que vous êtes. Et vous, une pute nazie. Oh, espèce de monstre. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous violerai. Jusqu'au trognon. Vous avez détruit la vie de tellement d'innocents. Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Et j'anéantirai aussi cette race de chiens. Wie besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, diesen dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn. In- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, hab ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Messieurs, comme vous le savez, ce rôle est très physique. William Joseph Blazkowicz n'est pas un intellectuel. C'est un homme d'action. Oh, cette scène a lieu avant celle que vous venez de jouer. Blazkowicz s'apprête à poser la bombe pour massacrer les enfants allemands de l'orphelinat. Mais avant toute chose, il doit éliminer le brave soldat qui garde l'entrée de l'école dans une séquence de combat particulièrement brutale. Monsieur... Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Yeah. Commencez donc. Chacun de vous improvisera une séquence de combat. Une fois le garde éliminé, vous terminerez la scène en lisant les répliques de la carte telles qu'elles sont écrites. En place, und... Action! Ils se font mancher par le soldat. Il pisse le sang. Je saigne. Mince, on fait une pause. La réplique. Je dois voir un docteur. La réplique. Votre bravoure ne suffit pas face à un néandertal de mon envergure. Et puis, je ne sais me battre qu'à l'année loyale. Je m'apprête à tuer... des enfants innocents. L'avenir de l'Allemagne. Oh. Hitler est vénère. Monsieur Redfield, je vous en prie. Mettez-vous en place. C'est ça que vous vouliez? C'est ça que vous espériez? Sale enfoiré de nazi. Parce que c'est ce qui vous attend. Wunderbar! Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Oh, er wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Je vais vous aider à ranger vos affaires, monsieur. Was zur Hölle ist das? Oh.
toi, Adolf. Je me barre d'ici avec tes codes Odin secrets. Ensuite, on volera à l'Ausmerzer. On tuera le général Engel. Et on montrera aux Américains ce qu'est une révolution. Le ménage en bas quand même, on essaie de récupérer des items pour attaquer cette mission comme il le faut. Alors on regarde un peu ce qu'on a comme arme. Choper de quoi améliorer mes armes. Je sais plus dans quoi on va les améliorer. Amélioration des armes, options. C'est pas ça. Oh, c'est plus tard. On va ramasser. Oh, ça c'est bien. Oh, j'ai été très con. J'ai été boulé. On continue à avancer tranquillement. Il y a de la mine hein, ici. C'est pas ce qui manque. D'accord, il y a une saloperie à droite. Ça fait boum, hein.
sait qu'en revenant en arrière, on aura toujours des trucs pour se remettre des PV ou de l'armure. On va le laisser. Armure. Hop, c'est bon, on est à 98. Avec précaution. Je ne sais vraiment franchement pas où je vais, hein. Je suis complètement paumé. Pas trop mieux m'équiper, hein. Il y avait du people. On récupère. D'accord, il y a du gonce tout au fond.
Et voilà, mon billet vers la surface. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Notfallauslauf eingeleitet. Landung in T-3-2-1. Voilà, donc là on est là vers la suite du prochain niveau. J'espère que ce petit épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos épisodes. Putain, je brûle. De Wolfenstein, salut les amis.